Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes ravis de communiquer avec vous tous. Nous ne sommes pas loin de vous, observant votre croissance et votre évolution, et nous la reconnaissons grandissante de plus en plus. Nous vous apportons aujourd'hui quelques commentaires sur ce que vous vivez sur Terre. Nous voyons à quel point l'humanité peut être belle dans votre désir de vous entraider et dans votre volonté de ressentir des sentiments de compassion les uns pour les autres et ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Nous voyons chaque événement dramatique que vous vivez sur Terre comme une autre opportunité pour vous de développer cette quantité de compassion que vous avez tous en vous. Et bien sûr, il y a généralement aussi l'opportunité de pardonner qui va avec. Vous vous faites tellement de bien à vous-même et aux autres lorsque vous pardonnez. Car sachez que lorsque vous ne pardonnez pas, vous vous accrochez au ressentiment et à la colère. Vous vous blessez vous-même et tout le monde autour de vous est affecté par le fait que vous vous blessez. Il y a donc un effet d'entraînement. Et cela est à la fois positif lorsque vous offrez de la compassion, mais également négatif lorsque vous vous accrochez au ressentiment, à la colère et même à la haine. Sachez également qu'en ne disant pas à une personne que vous êtes en colère contre elle ou que vous la détestez, cela ajoute toujours quelque chose qui est d'une vibration inférieure à la conscience collective. Et en conséquence, tout le monde est concerné. Vous avez une responsabilité envers vous-même qui affecte également tous les autres lorsque vous vous tenez compte de cette responsabilité et que vous prenez soin de votre royaume intérieur. C'est le moyen le plus rapide d'influer sur le changement de la planète Terre. Ce n'est pas tant par l'action ou les mots, ce n'est pas tant à travers des messages ou des vidéos, mais c'est en s'occupant de votre propre jardin intérieur. Ce que nous voulons dire par là, c'est que lorsque vous accédez à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et que vous éliminez ce qui est de vibration inférieure et que vous le remplacez par ce qui est de la vibration plus élevée, vous affectez alors l'ensemble de l'humanité d'une manière que vous ne pouvez pas voir ni comprendre. Alors, la priorité absolue pour vous au quotidien doit être de prendre soin de votre royaume. C'est l'endroit le plus important sur Terre. C'est l'endroit le plus important au sein de la Source. Et la Source le sait, ainsi que nous. Et vous avez été conçu pour ressentir pleinement vos sentiments, afin que vous remarquiez quand vous vous faites du mal ou blessez les autres. Et vous avez également été conçu pour ressentir quand vous faites quelque chose de bien pour vous et pour les autres. C'est pourquoi il est toujours si important de ressentir vos sentiments. Si vous en ressentez un, vous les ressentez tous, à coup sûr. Vous envoyez ces ondulations, que vous le vouliez ou non. Et lorsque vous envoyez une ondulation avec intention, avec désir, vous pouvez sentir à quel point vous êtes vraiment puissant. Vous êtes les acteurs du changement.
Vous êtes là pour créer et co-créer une terre meilleure pour tous. Et vous n'avez pas été créé pour attendre que quelque chose vous emmène vers une autre nouvelle terre, comme certains pourraient le croire. Passez un peu de temps chaque jour à l'intérieur de vous et vous changerez le monde. Et vous vous sentirez mieux. Et très probablement, vous aurez besoin d'en faire moins. Parce que lorsque vous avez besoin d'en faire moins, vous arrivez alors à en faire plus. Nous voulons que vous appréciez le reste de votre voyage vers la cinquième dimension. Nous sommes le conseil arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Merci.